Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon avis de la Paris Game Week dans ce Flash Nono. J'ai beaucoup de choses à vous dire, j'ai beaucoup de choses à partager à propos de mon expérience grâce à Octogone Gaming en partenariat avec Warner Bros. Sur le stand de la Paris Game Week. En tout cas, installez-vous, mettez-vous à l'aise. Let's go! Ah là 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 là, cette Paris Game Week, je l'ai overkiffé. Franchement, c'était incroyablissime, je vous assure. J'ai passé un moment incroyable. Alors déjà, j'aimerais vous remercier tous et toutes pour vos messages. J'ai reçu là les messages. Genre, j'étais complètement overchoqué de tous les messages que vous m'avez envoyés pour la force, pour me dire franchement, t'as assuré, t'as mis l'ambiance, etc. C'était mon objectif, je voulais vraiment me donner à fond pour que vous puissiez kiffer cette Paris Game Week, pour qu'on soit vraiment dans une ambiance de partage, dans une ambiance d'échange, dans une effervescence commune. Cette passion de jeux vidéo qui nous rassemble, c'était vraiment mon objectif, c'est de vous faire kiffer et avoir vos retours, c'est vraiment incroyablissime, j'ai overkiffé. Et d'ailleurs, on va mettre quelques images en même temps, on va regarder parce qu'on a eu... avec gentiment France Télévisions qui est passé sur le stand. Donc là, vous pouvez voir un peu comment ça se passe là dans l'octogone. Effectivement, donc on avait deux joueurs dans l'octogone pour s'affronter. On les faisait rentrer, etc. pour qu'ils s'affrontent dans cet octogone, dans cette cage sur du Mortal Kombat. Évidemment, je castais les matchs avec l'ami de toujours, le frérot, le partenaire Disco Devly. Il manquait que notre mémèse nationale avec Octogone Gaming, mais qui était sur la scène Ubisoft. Donc on va lui en vouloir. La scène Ubisoft, elle était d'ailleurs incroyablissime. Vraiment, ils ont fait un taf incroyable. Donc là, comme vous pouvez le voir, là vous avez les deux joueurs qui jouent. Voilà, très rapidement. Et on va avancer un tout petit peu, parce que du coup, France Télévisions nous ont un peu demandé notre avis sur du Mortal Kombat. Donc on a pu échanger aussi avec eux là sur quelques images. Voilà, donc avec notre DDG national, notre DDG. Donc voilà, on est avec notre DDG justement. Donc on faisait connaissance avec ce journaliste et sa collègue qui était un peu plus calé en tout cas que lui sur du Mortal Kombat. Donc on a pu échanger effectivement. Donc il nous demandait nos ressentis sur Mortal Kombat, sur le concept aussi effectivement de l'octogone mis en place par le patron, le maître de cérémonie Aikan. Voilà, je lui envoie un gros big up, un gros big up pour Octogone Gaming, un gros big up pour toi Aikan, parce que c'est grâce à toi que j'ai pu faire les événements, c'est grâce à toi que je suis là, c'est grâce à toi que je fais aussi du contenu que je peux partager aussi avec des gens, la passion du jeu vidéo. Donc je te remercie pour la chance que tu me donnes, ainsi que tous les autres membres du groupe qui m'envoient vraiment du soutien et du big up. Donc effectivement, voilà, donc on a eu aussi France Télévisions, donc comme je disais précédemment, qui est passé nous voir pour pouvoir justement découvrir ce concept d'octogone. Donc on leur en parlait très rapidement, on décrivait vraiment qu'est-ce qu'était l'octogone et pourquoi justement on partageait cette ambiance et quel était le but. Voilà, mais on a eu d'autres presses aussi qui sont passées nous voir, notamment... Moi, je l'appelle le patron. Moi, pour moi, c'est le patron parce que j'aimerais marcher dans ses traces, parce que j'aspire à aussi être une presse du jeu vidéo, parce que ce qui m'intéresse, c'est l'industrie et aussi pouvoir en parler sur les différents tests, différents sujets qui nous amènent et qui sont dans le monde du jeu vidéo. Donc, effectivement, on a eu notre Julien Chiez national qui est passé sur le stand nous faire un petit coucou pour nous dire voilà. Donc il nous décrivait un peu tout ça aussi effectivement sur le stand, et là il a découvert l'octogone. Donc effectivement, c'était un très gentil de sa part. Julien, on te remercie pour cette visibilité que tu nous as donné aussi, parce que ça nous a aussi ramené du monde. Voilà, donc on lui fait un petit coucou avec Noc Disco. Voilà, on était trop chaud, on était trop chaud. Franchement, c'était la soirée presse. Donc on était un peu chaud. Disco qui disait justement qu'on a fait les championnats de France de Mortal Kombat, mais j'y reviens juste après. Voilà, donc notre Julien Chiez qui est passé sur le stand pour nous voir, simplement pour essayer de regarder qu'est-ce qu'était l'octogone, effectivement. Mais on a aussi une autre presse qui est passée nous voir, donc on a eu du BFM TV qui est passé nous voir pour nous dire, pour essayer de regarder comment ça se passe, prendre les sensations, regarder qu'est-ce qu'était l'octogone, regarder quelle était l'émulsion autour de tout ça. Donc j'ai vraiment passé un moment de fou, et surtout, on a eu aussi RTL qui est passé nous voir. Franchement,
On a eu pas mal de presse qui sont passées. Et on a eu une presse que j'apprécie personnellement, le Sensei. Les Sensei pour moi. On a eu Asenka et aussi Monsieur Karaté qui sont passés nous voir sur le stand simplement. Donc là j'étais en train justement de commenter les matchs. Et là, je les ai vus. J'aurais dit, ouais, venez les gars. Voilà, Gwak Sensei. Donc voilà, justement, donc Gwak Sensei, c'est Monsieur Karaté et Asenka qui font du contenu pour Game One, etc. On a eu plein d'autres participants qui sont venus, qui ont participé à l'Octogone Gaming. Donc c'était vraiment une expérience incroyablissime sur le stand. Donc voilà, on a eu vraiment de la visite de fou. On a eu Kayane en Kitana. Dommage que j'ai pas les images. Mais sur mes réseaux, vous verrez Kayane en Kitana, le cosplay de fou, malade, c'était incroyable. On a eu Genius aussi qui est passé sur le stand pour faire quelques versus avec ses fans comme Kayane. Donc c'était vraiment un moment incroyable qu'on a pu partager. On a aussi fait les championnats de France grâce à NSXC. Attendez deux secondes parce que je suis pas très sûr. Je suis plus très sûr de leur blase. Je suis désolé les amis. Il faut quand même que je puisse vraiment leur rendre. Donc voilà, c'était NSXC avec Flashno qui était là pour organiser le championnat de France de Mortal Kombat. On a eu des combats qui étaient vraiment incroyablissimes, vraiment un niveau incroyable avec Reza, avec Skarox, avec Snow, avec plein d'autres joueurs. Franchement, on a eu un niveau incroyable pour ce championnat de France. Et d'ailleurs, le top 8 était vraiment incroyable. On a eu des matchs incroyablissimes. Franchement, cette expérience de la Paris Game Week cette année était vraiment, vraiment, vraiment incroyable. J'ai vraiment kiffé justement ce petit passage, cette Paris Game Week et ce partage, notamment sur les différents stands. On a aussi pu faire de l'Eva. L'Eva qui nous ont reçus en équipe pour pouvoir qu'on puisse régler nos comptes en dehors de l'octogone aussi. Donc vraiment, voilà, cette Paris Game Week pour moi, elle était vraiment incroyable. C'était vraiment une sensation. J'ai pas de mots. J'ai vraiment passé un très bon moment. D'ailleurs, il y a les copains qui sont passés me voir. Il y a Jim Su qui est passé, Valou, Wes Lloyd, Francisco, toute la team. Vous êtes passés me voir. Vous m'avez envoyé du love et de l'amour. Franchement, je vous kiffe parce que le jeu vidéo, c'est aussi ça. C'est du partage, du respect, de l'amour, de l'échange. Et on remercie totalement la Paris Game Week. Vraiment, on remercie la Paris Game Week de nous avoir reçus parce que simplement, on a pu vraiment, vraiment passer un bon moment. On a pu vraiment aussi pu partager avec les différents joueurs, partager avec les différents passionnés et aussi avec la commu Mortal Kombat. C'était vraiment incroyablissime. Donc voilà mon avis de la Paris Game Week. Voilà les ressentis que j'en ai eu. Voilà pour tout ça. Et j'aimerais encore vous remercier à tous et toutes qui sont passés me voir, qui m'ont... Vous m'avez fait kiffer. Avec l'amour, le love, Symphonia. Il y en a d'autres hein, que j'ai pas cité. Il y a aussi Shizunet qui est passé nous check. Franchement, c'était incroyable. Mais j'aimerais envoyer un gros, gros big up à mon gars, le Tay to the D, qui est passé. Alors attendez, parce que faut que je vous le montre. Dommage qu'on n'a pas fait une petite vidéo. Voilà, mais voilà, donc c'est un des viewers de la chaîne qui est passé sur le stand et qui m'a offert cette figurine Dragon Ball. Pour ceux qui savent, vraiment, je suis vraiment un gros fan de Dragon Ball, donc j'ai vraiment kiffé. Mais il y a aussi notre petite mini douce nationale qui nous a filmé, qui a fait des photos. Vous verrez les photos d'Instagram, en général c'est elle, donc vraiment un gros big up. Et qui m'a offert aussi des figurines. Alors attendez, je vous les sors rapidement. Voilà, et pour ceux qui savent, hein, pour ceux qui me connaissent, voilà simplement ces deux figurines, Goku et Freezer, vraiment, voilà, c'est incroyable, voilà, elle, vous m'avez gâté durant cette Paris Game Week, j'ai vraiment kiffé votre énergie, l'échange qu'on a eu, c'était vraiment incroyable, vraiment, vraiment incroyable. Et d'ailleurs, je vous le montre tout de suite, là pour celles et ceux qui iront jusqu'à la fin de la vidéo,
J'ai des jeux à vous faire gagner. Je remercie Ubisoft pour son accueil, mais aussi sa générosité, parce que grâce à eux, j'ai des jeux à vous faire gagner. Alors, le concours arrive bientôt. On en parle très très vite. En tout cas, voilà, j'ai du The Crew Motorfest, en spéciale édition sur PS5. J'ai du Immortal Phoenix Rising en édition Gold. J'ai aussi un Assassin's Creed Valhalla sur PS5. Et on a le Watch Dogs PS4 avec la mise à niveau PS5. Donc voilà, je vais vous gâter. Il faut que je vous remercie pour tout le soutien que vous m'apportez. Donc le concours arrive très bientôt. Je vais mettre ça en place très vite sur la chaîne. En tout cas, encore une fois, je vous remercie pour tous et toutes pour le soutien. En tout cas, si t'as kiffé la vidéo, laisse ton meilleur big bad pouce bleu juste en bas. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'appareil Game Week 2023. Moi, pour moi, c'était une dinguerie. Mais dites-moi tout en commentaire. Comme je dis souvent, et ça l'a prouvé durant cette pareille Game Week, ça me fait bugger parce que j'ai reçu trop d'amour, trop de love. Vraiment incroyable. C'est passionnant, nous les uns les autres. Et la gimmick de fin, je pense que tu la connais. La go! Ça fait deux.